Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui une vidéo pour vous présenter une promotion pour les personnes qui font du print on demand. Donc c'est sur l'outil Vexcel. Donc je vais vous présenter l'outil et là pendant 3 jours ils font une grosse promotion. Donc c'est un outil dont on m'a pas mal parlé dans les commentaires. Donc je pense que cette promotion va pouvoir intéresser pas mal de personnes parce que ça peut remplacer aussi plusieurs outils en print on demand. Donc je vais vous présenter le site, qu'est-ce que ça peut vous apporter en print on demand si vous faites ça sérieusement. Et on va voir aussi les nouveaux tarifs là pour les 3 prochains jours. Donc jusqu'au 12 août. Donc Vexcel, c'est un site pour les créateurs de produits en print on demand, donc les personnes qui ont un business en print on demand. Donc il propose plusieurs services. Donc il propose des ressources. Donc des ressources, ça peut être des logos. Donc on va aller voir ça justement en live, donc PNG et SVG ici. Donc là, on va voir des logos que l'on va pouvoir utiliser pour nos créations. Donc on aura le droit ensuite de vendre nos créations, bien sûr, sur des produits du style t-shirt, poster, enfin vraiment des choses imprimées. Donc ça, il y a pas mal de logos comme ça. Il y a aussi des fichiers vectoriels et aussi des fichiers PSD, donc pour ouvrir dans Photoshop. Donc par exemple, on va aller dans Vecteur. Donc il faut taper les noms en anglais, c'est un peu l'inconvénient, mais je pense que c'est assez simple d'utilisation comme ça. Donc là, par exemple, Bicycle, je tape et j'ai tous les résultats qui vont s'afficher. Donc là, j'ai 6 pages de résultats avec des vélos, donc que je peux réutiliser moi dans mes créations. Donc là, par exemple, celui-ci, on va aller voir. Donc là, on aurait ce logo-là que l'on pourrait directement réutiliser. Donc là, on a juste à faire download. Bon, moi, là, je ne suis pas connecté, donc je ne vais pas pouvoir le faire. Donc là, l'avantage, c'est que les designs que vous aurez seront de meilleure qualité, par exemple, que sur Pixabay, où il y a quand même un choix limité. Là, vous avez beaucoup plus de choix et surtout de la qualité. Ensuite, il y a les print ready. Donc print ready, c'est tout ce qui est déjà prêt à être imprimé. Donc par exemple, vous avez juste à télécharger le logo et à l'imprimer directement. Ou aussi à l'éditer. Donc vous aurez le fichier normalement pour Photoshop. Donc vous pourrez directement venir ici modifier le texte ou des couleurs, des images, vraiment tout modifier si vous le souhaitez. Ensuite, autre chose assez intéressante, c'est Mockup. Donc si vous avez par exemple un compte sur Placid, donc Placid c'est vraiment l'outil pour les mockups de base, ils sont assez connus, mais pour les designs ils ne sont pas hyper performants. Alors que là sur Vexcel vous avez les deux. Donc vous avez les designs, les ressources, mais aussi les mockups. Donc un abonnement sur ce site seulement peut faire les deux. Donc comme ça vous n'avez pas besoin de Placid. Donc je vais vous faire voir un peu le fonctionnement. Donc les mockups c'est quoi? Donc c'est des images, enfin des photos de personnes qui portent des t-shirts par exemple, ou des posters sur des murs, des livres ou d'autres choses encore. Donc on clique sur celui qui nous intéresse. Alors il y en a qu'on peut éditer directement en ligne ou il y en a où il va falloir ouvrir dans Photoshop. Par exemple celui-ci c'est marqué PSD donc c'est pour ouvrir dans Photoshop. Donc il faut que je le télécharge et ensuite je pourrai ajouter mon logo directement ici dans Photoshop. Donc c'est hyper simple, j'ai juste à faire glisser, déposer dans Photoshop avec mon logo. Donc pour certains mockups on peut aussi directement l'éditer en ligne, donc comme celui-ci, il y a juste à faire Open in Mockup Generator. Ici à droite je choisis le visuel, donc il y en a plusieurs. J'upload mon logo, donc là, ce fichier-là, et je choisis aussi la couleur du t-shirt. Donc là, je vais sur le pot de peinture, je choisis la couleur, donc là, par exemple en noir. Ensuite, je peux choisir la taille du logo et aussi le déplacer si je souhaite. Donc ça, c'est un bon outil si vous faites de la promotion derrière. Par exemple, si vous faites de la pub sur Facebook, que vous partagez sur des groupes Facebook aussi, sur Instagram, enfin vraiment n'importe où, ça peut améliorer votre image. Ensuite, il y a aussi les PSD t-shirts, donc là c'est, comme on a vu précédemment, c'est des logos que l'on peut directement éditer dans Photoshop. Donc là, ces outils que je vous ai fait voir, c'est vraiment la base du site, mais ensuite vous avez quelques outils supplémentaires. Donc là, comme le t-shirt maker, donc c'est un outil comme Canva et POD Making, donc que vous pouvez utiliser, où il y a pas mal de logos qui sont libres d'utilisation. Donc vous pouvez créer directement vos designs ici, donc pas besoin de Photoshop si vous le souhaitez. Ensuite, il y a Design Request. Donc ça va dépendre de votre abonnement. Suivant l'abonnement que vous allez prendre, vous allez avoir un nombre de designs personnalisés que vous pourrez demander à un designer directement sur le site. Par exemple, il y a un plan, je crois que c'est 3 designs par mois, un autre c'est 7. Après, ça va être différent, il doit y en avoir encore d'autres. Mais là, vous pouvez vraiment demander un design spécifique à un designer vraiment tous les mois sur le site. Ensuite, il y a aussi Merch Digest. Donc ça va être une sorte de newsletter tous les mois que vous allez recevoir, où ils vont vous dire un peu qu'est-ce qui fonctionne en ce moment en print on demand. Vous allez avoir des interviews aussi, enfin, vraiment pas mal d'articles, des astuces, les meilleures pratiques, les mots-clés les plus recherchés à tel ou tel mois. Donc aussi quelque chose qui pourrait être assez intéressant. Donc là, on a fait un peu le tour vite fait des outils, des différents outils.
On va voir combien ça coûte en temps normal et combien ça coûte aussi avec la promotion maintenant pendant 2-3 jours. Donc en temps normal, si vous prenez vraiment tous les mois, donc payé sans engagement tous les mois, c'est 29$ pour l'offre minimum. Donc pour 29$, vous avez 100 téléchargements par mois, ce qui est déjà plutôt pas mal, ce qui peut suffire à pas mal de personnes. Deux design requests, donc deux designs que vous pouvez demander au designer directement tous les mois. Et aussi, vous avez accès à tous les outils, donc le t-shirt maker, les mock-ups, enfin vraiment la totale. Ensuite, là, avec 200 téléchargements par mois, on est à 49$. 4 designs par mois de requests. Et là, si vous voulez vraiment être à fond, vraiment sur le print on demand, mais vraiment à plein temps, là, 99$ par mois, 2000 téléchargements par mois et 8 designs au designer par mois ici. Donc ça, c'est vous, si vous payez tous les mois. Ensuite, il y a l'offre annuelle. Donc ça, c'est toujours l'offre sans la promotion. De base, on est à 29$ ici. En payant annuellement, ça revient à 22$. Et ici, 74. Donc ça devient déjà quand même plus intéressant. Mais là, pendant 3 jours, il y a une promotion. Donc ça va être encore moins cher si vous payez à l'année seulement. Pas si vous payez au mois. Alors moi, ils m'ont informé par email. Donc je fais cette vidéo légèrement en avance. Donc vous, quand cette vidéo sortira, les promotions seront ajoutées directement sur les pages. Donc vous aurez le lien vers les différentes offres juste dans la description de la vidéo. Donc vous aurez deux liens. Donc avec un paiement à vie, donc où vous ne payez qu'une fois et vous n'avez plus jamais besoin de payer. Et des offres annuelles. Donc là, l'offre de base annuelle, c'est 261$ par année. Avec la promo, ça va passer à 198. Donc 198 divisé par 12, ça fera 16,5$ par mois. Donc là, vraiment quelque chose de assez intéressant. Sachant qu'il y a deux designs gratuits par mois de personnaliser vraiment. Donc si vous passiez par un designer sur Fiverr, ça reviendrait peut-être plus cher. Ensuite, la deuxième offre qui est à 441$ passe à 335. Donc 335 divisé par 12, ça fait 27$ par mois. Donc 27$ pour 4 designs personnalisés vraiment, c'est assez intéressant. Et ensuite, l'autre, c'est 891$ normalement. Et là, ça va passer à 667. Donc une grosse promo. Donc 667 divisé par 12, 55$. Pour 8 designs personnalisés plus 2000 téléchargements par mois. Mais ça finit pas là, pour la promotion ils vont aussi ajouter des offres à vie carrément. Donc les offres à vie normalement c'est ces deux-là, donc normalement c'est 690 pour quelque chose de basique, donc merch lifetime. Donc ça vous donne accès à deux designs par le designer tous les mois et à 200 téléchargements par mois, mais vraiment tout le temps, donc avec seulement 690$. Et sinon il y a l'autre offre, donc là de base c'est 690$, mais ça va passer à 550 avec la promotion. Et celui-ci, Business Lifetime, donc là vous avez 7 designs par mois, 2000 téléchargements par mois, donc c'est l'offre la plus chère ici normalement. Normalement là c'est à 1875$ et ça va passer à 1500. Donc si vous êtes sûr de faire du print on demand pendant plusieurs années, vraiment l'offre à 1500€ peut être vraiment très intéressant. Donc vous avez le lien avec les deux promos différentes dans la description de cette vidéo. Donc c'était juste une petite vidéo pour présenter ça, parce que je sais qu'il y a déjà pas mal de personnes qui me suivent qui sont abonnées avec Excel, parce que j'en entends parler pas mal dans les commentaires. Donc ça va sûrement pouvoir vous intéresser cette offre. Donc si vous êtes arrivé jusqu'ici dans la vidéo, tapez Vexcel dans les commentaires, ça me permet de voir si les gens regardent bien jusqu'au bout les vidéos, et ça m'aide aussi énormément pour le référencement. Donc likez, commentez, abonnez-vous, et je vous dis à très bientôt.